Je retourne chez mes amis, je voudrais toujours apprendre comment analyser cette table avec Excel. Donc, en savant les niveaux, l'effectif des garçons, effectif des filles. On a créé ici des noms dans la formule. Vous avez ici depuis sélection, gestion. On a effectif des filles, effectif des garçons et niveau. Quand on clique ici, on fait niveau, c'est le niveau. Puis voici la colonne qui contient effectif des filles. La colonne contient l'effectif des garçons. Pour faire ça, il suffit de faire CTRL majuscule F3. Vous sélectionnez toute la table, CTRL étoile, puis CTRL majuscule F3. Je prends ligne en haut et je valide. Maintenant, pour l'effectif des classes, on va compter ici 30 communs. On va compter ici 30 communs. On va faire c'est égal NB.C. La parenthèse, on prend la plage, on clique sur la touche F3, on prend niveau, on clique, point virgule, le critère, c'est le contenu de la cellule O2. Comme on ferme la parenthèse, quand on valide, vous voyez, il y a erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas terme tronc commun, mais on a tronc commun scientifique, on a tronc commun lettres, technologie, etc., etc. Donc on change ici O2, on va faire entre guillemets. Étoile entre guillemets et commercial, puis on va terminer par une autre. On fait étoile avant O2 et puis étoile après, ça veut dire n'importe quel texte avant, n'importe quel texte après. Quand on valide, et voilà le résultat. Quand on fait du clic, on a le résultat. Ici, on peut changer la taille des valeurs. Ça, c'est l'effectif des classes pour l'effectif. Des filles, on va faire ici la somme de la colonne C. On prend en considération la condition de la colonne A. C'est égal somme C. Un double clic. On a la plage, on a le critère, on a somme de la plage. Donc, si je fais CTRL A, on va la liste des arguments. Donc la somme, la plage, dernière somme, on va cliquer sur la touche F3. On veut l'effectif des filles, donc on fait un double clic sur le nom effectif des filles. Maintenant la plage, c'est, on clique sur la touche F3, c'est le niveau, ça veut dire la colonne A. Ok. Et maintenant le critère, c'est, si je fais O2, je valide, vous voyez, il y a erreur parce que ce critère n'existe pas. Donc, tout critère, on va faire guillemets, étoile, puis étoile entre guillemets, puis O2, puis et commercial, puis étoile entre guillemets. Quand on valide, on voit le résultat. On peut changer la taille de cette valeur-là. Pour copier la formule en bas, je fais un double clic. Maintenant, pour les garçons, on va faire la même chose. On va faire c'est égal somme ici. Je fais un double clic. On a la plage, ça veut dire clic sur la touche 3. On prend niveau, un double clic, point virgule. Le critère, si je prends le critère O2, point virgule, je clique sur la touche 3. On veut le total des garçons. Je fais un double clic sur le nom d'effectif des garçons. Quand je ferme la parenthèse, je vais avoir 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas temps commun. On a temps commun, puis un autre texte. C'est scientifique, puis technologique, etc., etc. Donc ici, on va changer ici O2. Je vais dire le critère. On va faire entre guillemets. Pour les guillemets, on fait étoile. On fait E commercial. Puis O2. Et commercial, on fait guillemets, étoile entre guillemets. Quand on valide, et voilà le résultat. Quand je fais un double clic, on a le résultat. Maintenant pour les garçons, total et filles, il suffit de faire la somme garçon plus fille. Quand on valide, on fait un double clic, on change le format de ce nombre là. Voilà, vous avez l'effectif des classes et l'effectif des élèves pour avoir la moyenne des élèves par classe. Il suffit de faire égal. On prend le total des élèves
sont plus phi divisé par le total des classes. Quand on valide, voilà, vous avez un nombre décimal. Pour enlever le nombre décimal, on peut prendre ici la partie entière. On fait CTRL Z, c'est égal EMT, tabulation, on prend total des élèves, ça veut dire S2, divisé par total des classes, ça veut dire P2. On ferme la parenthèse et on valide. Et point de clic. Et voilà, vous avez l'effectif des élèves par niveau. Et comme vous voyez, niveau haut, si on fait CTRL plus qu'il touche en bas, on prend ces valeurs-là. Et dans accueil, mise en forme conditionnelle, on a ici mise en forme selon les valeurs. Si vous voulez les valeurs supérieures à la moyenne, on voit les valeurs supérieures à la moyenne. On peut annuler. Si vous voulez les valeurs inférieures à la moyenne, vous avez accueil, vous en forme conditionnelle. Vous avez ici règle des valeurs inférieures à la moyenne. On peut changer le forme ici. Personnaliser. Remplissage. On peut mettre ici couleur verte. Quand on valide, voici les valeurs inférieures à la moyenne. Mais si vous faites la moyenne, vous avez ici la moyenne. Je prends T2, CTRL majuscule touche en bas, je valide. Voici la moyenne. Pour avoir la partie entière, on va faire ici ENT. On ferme la parenthèse et on valide. Donc la moyenne, c'est 45. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une question, c'est une occasion pour cette vidéo télévisable.